Luc, aujourd'hui, on est au lac Saint-Pierre. Mm-hmm. Évidemment, quelqu'un qui n'a jamais pêché le doré ici peut choisir d'aller avec un pourvoyeur. Hein? Il y en a encore deux, je crois. Quelques-uns. Il y en a qui ont fermé par crainte de retombées négatives avec l'élimination du menu vivant. C'est ça. Ça, c'est une option, évidemment. Si on veut y aller par nos propres moyens, mm-hmm. quelqu'un qui n'a jamais pêché ici. Bien, évidemment, il faut être bien prudent. C'est sûr qu'il faut s'informer. Mais il n'y a jamais mieux que de vérifier par soi-même. Donc, quand on a commencé, nous, dans le temps des fêtes, on marchait toujours à deux avec ce qu'on appelle une gaule ou une gaffe. Et puis là, on prenait le pouls de la surface glacée à partir de la drille, tout le temps en étant attaché comme ça, et on a fait notre chemin le plus loin possible. Quand on voit que c'est sécuritaire, exemple 5 à 6 pouces, bien, on est capable de faire suivre la motoneige. Moi, je le fais tout seul parce qu'écoute, ça fait une trentaine d'années que je fais ça. Fait que ce que je fais, c'est que j'avance ma motoneige jusqu'au dernier trou où je sais que vraiment, là, c'est sécuritaire. Et je m'attache après les skis. Je laisse la motoneige en fonction. Et puis, si je n'ai qu'à défoncer, bien, au moins, je suis attaché après mes skis. Je peux me ramener puis au moins là, pouvoir me sortir de ça. Mais l'idéal, c'est toujours d'y aller deux personnes, trois personnes pour être capable, s'il y a quoi que ce soit, là, d'avoir de l'aide, éventuellement, de pouvoir d'avoir se dépanner et tout ça. Là. Fait que ça, en début de saison, c'est super important de prendre ces précautions-là. Là, actuellement, il y a eu des gros froids. La glace est épaisse. Malgré ça, est-ce qu'il faut quand même... Faut faire attention, parce que même si ça fait X nombre de jours qu'il fait excessivement froid, il y a de la neige, il y a de l'eau, ce qu'on appelle de la slotch, et ça, c'est à peu près ce qu'il y a de mieux comme isolant. Donc, on a le principe un peu d'un millefeuille. On va avoir une glace qui est sécuritaire, on a de l'eau, puis on a de la neige. Okay. Donc, même s'il fait moins 20, moins 22 comme encore ce matin, en dessous de ça, ça n'épaissit pas. La preuve, quand on s'est envenu une couple de fois, on voyait la boucane en arrière, puis on voyait l'eau se tasser, là, c'est ça. Ça reste toujours. Et éventuellement, où ce qu'on a passé, on a fait une trace. Ça va geler. Donc, une fois que les gens vont revenir puis qu'ils voient des traces comme ça, ils sont quasiment mieux de passer là-dedans que de passer à côté parce que ça ne gèle pas. Okay. Ben oui, bon conseil. C'est ça. On gagne le lac Saint-Pierre. Oui. Puis on veut avoir notre chance de capturer du doré. Bien, la première chose à faire, c'est sûr que maintenant, tout le monde a un téléphone intelligent. Hein? Tout le monde a ça dans ses poches, c'est la mode. Mais là, au lieu de s'en servir pour faire des selfies, on va s'en servir pour d'autres choses. C'est-à-dire qu'on peut tout simplement aller sur un site qui s'appelle Navionique et télécharger la carte. Soit du lac ou du lac Saint-Pierre ou du lac avec lequel on veut travailler, et de regarder qu'est-ce qui se passe en dessous de la surface glacée. C'est-à-dire que c'est blanc partout, mais il se passe quoi? Est-ce que je m'en vais, je regarde le bord, puis je dis j'en ai fait assez long, ça devrait être correct ici? C'est pas tout à fait ça. Changer une journée qui peut être plate en journée agréable, c'est peut-être juste le fait de regarder qu'est-ce qui s'en vient en dessous de nos pieds. Et d'y aller avec ça. Est-ce que j'ai des herbiers? Est-ce qu'à un moment donné, j'ai des petites fosses? Tu sais, des choses qui sortent de l'ordinaire. Dans le fond, tu étudies la bathymétrie du lac pour t'assurer de ne pas pêcher n'importe où. Oui. Hein? Puis, avec ton téléphone intelligent, tu as un Navionix dessus, tu as une localisation GPS, tu peux te voir dans la carte, comme en bateau l'été. Exactement. Puis là, tu peux travailler ton plan d'eau. Toi, t'en fais beaucoup. T'as installé un sonore directement sur les poignées de ta motoneige. Oui, le GPS avec la bathymétrie directement sur mes poignées tout le temps comme ça. Sur les motoneiges qu'on a, on sert de ça parce que ça nous évite des fois de percer des 500-600 trous dans l'hiver. Ben avec ça, on sait approximativement où sont les dénivellations, où sont les îles sous-marines, ces choses-là. Et à partir de ça, ça nous donne une bonne idée du secteur avec lequel on veut travailler. Le dernier point que je veux aborder, là, évidemment, on a regardé la bathymétrie et tout ça. Quelle profondeur je pêche sur la surface glacée? C'est une question embêtante, ça, pour quelqu'un qui commence. Bien, écoute, ça, c'est un petit peu, là, je vais y aller, on dit tout le temps, on fera pas une question par une question. Là. Même toi, je vais te la poser. Ça t'est sûrement déjà arrivé. Tu arrives une journée, tu t'installes et, comme par hasard, tu fais une pêche extraordinaire. Comme monsieur et madame tout le monde, tu es tellement excité que la seule chose que tu vas retenir de cette journée-là, c'est la quantité de poissons que tu as pris et la donnée GPS.
ça s'arrête là. T'es-tu d'accord? Mm-hmm. Et là, tu vas retourner là peut-être 2-3 semaines après parce que tu travailles ou des choses comme ça. Tu retournes sur ton point GPS et catastrophe, il n'y a plus rien qui se passe là. D'après toi, qu'est-ce qui peut se passer pour que ça tombe drastiquement, là, plus bon, exemple, dans 2 semaines ou 3 semaines? Ouais, mais il peut y avoir eu un changement dans l'environnement du poisson. C'est pas, moi, le niveau d'eau plus élevé, la disponibilité de nourriture qui est plus là ou qui est meilleure ailleurs. Tu marques un point très, très important que la majorité des gens ne portent pas attention. Exemple, cette journée-là, tu avais un couvert glacé de 6 pouces. Tu avais une hauteur d'eau, exemple, une profondeur de 6 pieds. Tes prises se sont prises la majorité du temps sur des profondeurs, exemple, de 5-6 pieds. Tu retournes 2 semaines après. Ton couvert de glace est de 24 pouces, exemple. On vient de perdre presque 2 pieds d'eau, mais on ne prend pas le temps de faire le calcul. Ouais. Dans notre tête, en dessous de nos pieds, on a 6 pieds d'eau parce qu'on se lève le bras et on dit « il y a 6 pieds ». Mais en vérité, il faut faire une soustraction. La soustraction du couvert de glace, il faut le faire. Et c'est ce qui va nous donner le résultat final du liquide qu'on a en dessous des pieds. Puis des fois, là, un pied et demi, là, c'est bien important pour le succès de la pêche. Donc, oui, il y a des techniques. Oui, il y a toutes sortes de technologies mises à notre disposition. Oui, il y a des leurres incroyables. Mais il faut commencer par la base. Puis la base, c'est où m'installer, où est le poisson. Et après ça, bien, se rappeler ces choses-là, les écrire. Petit exemple que je peux te donner. En hiver, exemple, les pêcheurs du lac Brome, par exemple, dans les cantons de l'Est, vont regarder leur bathymétrie. Et là, vont s'en aller, exemple, sur une île sous-marine qui est placée à telle place parce que les pêcheurs la connaissent durant l'été. Chose importante à savoir, c'est que le lac Brome baisse de 3 à 4 pieds l'hiver parce que la municipalité emmagasine de l'eau du lac pour les canons à neige de la station de ski de Bromont. Donc, si je fais mon calcul, encore une fois avec un couvert de glace de 24 pouces, moins 3 pieds qui est enlevé pour les conditions de ski, si notre bathymétrie nous indique 10 pieds, en vérité, il en reste 5. Oui, c'est quand même une différence notable. Hein? On parle du simple au double quasiment. Là. Donc, ces petites choses-là, tu sais, je vois mes confrères, c'est très bon, qui nous parlent souvent de techniques, de leurs préférées, de nouvelles technologies, de machines, etc. Le but aujourd'hui étant de montrer tout simplement qu'on est capable de prendre encore du poisson à la bonne vieille méthode. C'est-à-dire que même si on n'a plus d'appât vivant. On a quand même des appâts naturels qui sont bien présentés et puis qui donnent des résultats. Pourquoi qu'on a peut-être un petit peu plus de doré noir aujourd'hui que de doré jaune? Parce que c'est un poisson qui est un petit peu plus charognard qu'un doré jaune. Donc, tu vois, il est actif beaucoup, beaucoup sur nos offrandes. Et la place qu'on a choisie aujourd'hui, c'est pas compliqué. On s'est pris un endroit où il y a une fosse. On a jusqu'à 17-18 pieds. Ça part de 6 pieds, du long, si tu veux, des herbiers, puis après ça, ça descend tranquillement, tout le tour, comme dans un bol, jusqu'à 18 pieds. Et c'est pour ça que même au gros soleil, aujourd'hui, on est capable de prendre des dorés à n'importe quelle heure. Oui, c'est vrai qu'on a eu une bonne bourrée ce matin. Et puis, j'ai comme l'impression qu'à la fin de journée aussi, on devrait être capable de faire quelque chose. Mais le but de l'exercice était de montrer que même avec la Sentinelle, un produit bien le fun qui est en vente partout, n'importe quel bon magasin peut vous offrir ce genre de brimballe-là, la brimballe traditionnelle, la T-pop, n'importe quoi qui vous prédispose à présenter l'appât mort comme ça, le méné. Bien, on a la preuve que si on bouge, aujourd'hui, on a un petit courant, on est chanceux. Ça fait bouger la peau. Puis on a des résultats qui sont intéressants, Daniel. Oui, ah oui, tout à fait. Là. Fait que le monsieur ou la madame qui commence avec les enfants puis que technologiquement, il veut pas s'investir tout de suite, il veut tout simplement se donner le goût, bien, une coupe de bout de bois, une coupe de méné d'appât comme ça, un peu de soleil, un peu de sécurité, un téléphone
disposé à pas juste faire des selfies, on se place comme il faut, puis on va peut-être avoir des résultats, ce qui va nous amener à aimer la pêche blanche et peut-être s'équiper justement avec des choses qui vont être un petit peu plus technologiques. OK. Ben merci, Luc, pour ces informations. Ça fait plaisir.